On se retrouve pour ça. Tu viens pas? Tu boudes? Bah pourtant, j'ai quand même filmé lundi dernier. Oh bah non, tu viens. Viens, maman. Viens. Viens, dis bonjour aux Smadley. Allez, viens, mon fils. Oui, je savais bien. Et voilà, on dit bonjour. Non, tu touches pas mes rouges à lèvres, mon rouge à lèvres. Ben oui, on reprend les habitudes. Alors, comment ça va les filles aujourd'hui? Je suis contente de vous retrouver. Moi, ça va quand même nettement mieux. On va dire que je revis façon de parler. Hein. Regardez. J'ai vraiment l'habitude de faire des vidéos. Ça lui a manqué aussi. Excusez-moi, la toux vraiment bien. Donc, oui, je vous disais, ça me fait bizarre de filmer. En plus, je suis tellement émue, contente. Enfin, voilà. Je repositionne ça. Et... ouais, contente de vous retrouver. Donc vous avez pu suivre mes aventures sur Facebook et sur Snapchat. Donc en fait, lundi dernier, quand je vous ai posté lundi, viens boire un café avec moi, j'étais aux urgences. Voilà. Donc comme vous savez que je l'ai pris film avant, donc il peut se passer des choses le week-end ou lundi. Et en fait, lundi, du coup, j'étais encore chez mes parents. Et quand je me suis levée, ça allait. Et d'un seul coup, je me suis sentie tout mon côté gauche s'engourdir, fourmillement, limite paralysé, toute la mâchoire avec la langue tout engourdie. J'étais confuse, comme si j'avais le canon, j'étais bourrée, j'arrivais plus à assembler deux mots. Et ma mère, du coup, je voulais pas l'inquiéter, je voyais bien qu'elle s'inquiétait quand même. Elle partait au boulot et... je voulais pas qu'elle loupe le boulot pour moi et tout, et du coup au moment où elle est montée dans la voiture en fait, et ben j'ai l'impression que vraiment c'est con à dire, mais que j'allais faire un infarct ou un AVC, parce que ça me faisait tous les symptômes. J'avais une grosse douleur ici, le bras vraiment hyper lourd, je me vidais mon glamour au niveau diarrhée et tout. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Donc j'ai eu le réflexe de prendre le téléphone et d'appeler Fred, et il comprenait mal parce que j'arrivais pas à articuler. Et là, je me dis, mais mon Dieu, les personnes qui ont subi ça, c'est horrible. Franchement, c'est horrible. Et je me voyais partir. Du coup, en plus, le pauvre avait un entretien à 9h le matin, donc il est venu. Et je savais pas, mais en fait, il avait appelé ma mère aussi en même temps. Du coup, quand il est arrivé, je me souviens même plus. Je sais plus si j'étais aux toilettes ou je sais même plus. Je crois que j'ai essayé de m'habiller, me laver, c'est même pas la peine, hein, de toute façon. Et j'avais qu'une idée en tête, ben là, c'est bizarre, mais c'était ma fille. Et la peur de mourir, et du coup, au fond de moi, je me disais, t'as Lily, t'as Lily, t'as Lily, pour me tenir et tout. Et du coup, ben, j'avais peur, quoi. Donc je pense, plus t'as peur, plus t'as une crise d'angoisse aussi qui arrive. Sur le plan respiratoire, je vous explique même pas dans l'état où j'étais. Donc du coup, il m'emmenait aux urgences, mais j'arrivais même pas à marcher, j'arrivais même pas à parler. Enfin, franchement, je savais pas du tout ce qui se passait. Donc arrivé aux urgences, bah elle est rebelote. Donc il y a une dame qui m'a vue, qui m'a laissé sa place. Et du coup, elle était inquiète parce que franchement, je me voyais vraiment partir. Je pouvais plus, j'étais complètement mais à l'ouest, quoi. Et du coup, il y a une collègue qui m'a vue, qui prenait son service. Et du coup, elle a été voir tout de suite les urgentistes en disant... y a une douleur thoracique et tout, donc ils m'ont pris tout de suite en charge et tout. Donc ensuite ils sont occupés de moi, donc prise de sang, perfusée, électrocardiogramme et tout. Et en fait il s'avère que, mais ça c'est dingue, c'est un truc de malade, mon corps refuse tout traitement depuis quelques années. Alors je sais pas si je l'ai conditionné comme ça, parce que en général j'essaye de me soigner avec les plantes, les médicaments, enfin les compléments alimentaires aux plantes, mais dès que je prends un médicament chimique, sauf le doliprane et le biprophénide, sachant que le biprophénide, faites attention pour les asthmatiques, il peut déclencher aussi, donc ça je l'ai su là, donc ça va être difficile. Moi qui ai mal au cervical, à l'épaule, c'est ce que je prends. Et donc, la paille au cul, hein,
fait des effets secondaires à la trouvant. Donc pendant une semaine, en fait, j'ai essayé de me soigner avec les aérosols et en fait, ça s'est empiré. Mais une catastrophe. Donc mon corps refuse, je ne sais pas pourquoi. Alors beaucoup m'ont dit, oui, t'as peut-être eu le choc avec les lundis, viens boire un café avec moi. Non, c'était passé. Là, j'ai été vraiment malade avec la chaleur qu'il avait fait. J'avais chopé un mal de gorge et tout. Puis voilà, malade comme tout le monde. Pardon. Je reprends mes habitudes, je rote en direct. C'est le café. Et du coup, ben voilà. Donc, ça tombait bien. Donc, en plus, l'infirmière que j'ai eue, je la connais bien et c'était super. Elle m'a vraiment rassurée. Mais, enfin, c'était vraiment bien. Parce que quand on ne sait pas ce qu'on a, c'est très compliqué et on flippe. Et j'ai eu des collègues du coup qui ont vu mon nom aussi quand ils étaient au boulot, qui sont, enfin une de mes collègues qui est descendue me voir toute inquiète. Enfin, j'ai été quand même entourée, maman enfin, qui m'a appelée, enfin tout ça. Donc voilà. Mais je vous assure que je m'en souviendrai de cet épisode 2016. Autant depuis 2010, je vis des choses comme ça, des bronchites asthmatiformes. Où, voilà. Mais là, ça a été le pire. Le mardi où j'ai appelé SAMU parce que j'étouffais, j'étais en pleine crise d'asthme. Enfin bref, tout ça. Donc, je suis retournée voir aussi le médecin traitant qui m'a dit non, mais là c'est repos, strictement rien. Donc, je n'ai rien fait du tout. Quand je vous dis rien, c'est rien. C'est-à-dire que je me levais le matin, je déjeunais, vous avez vu sur Snap. Hein. D'ailleurs, merci Snap, vous êtes de plus en plus nombreuses et tous vos messages et tous vos délires pour me faire rire aussi, c'est vraiment génial. J'aime beaucoup Snapchat, c'est vraiment super. Et du coup. J'allais prendre, enfin je rangeais, façon de parler, il n'y avait rien à ranger vu que j'étais toute seule, il n'y allait pas là. J'allais prendre ma douche, je refaisais mon lit, je me mettais en petite nuisette parce que bah, il faisait chaud. Et j'étais allongée sur le canapé, sur les réseaux, à lire, à colorier, enfin vraiment me reposer parce que je me suis sentie vraiment vidée. Et je vous remercie toutes celles qui ont des bronchites asthmatiformes et qui font de l'asthme ou qui ont vécu des choses similaires. Parce qu'en fait, faut savoir, c'est pour ça que j'aime cet échange et ce partage, parce que vous m'avez aidé à comprendre. Parce que les médecins, ben, malheureusement, ne comprennent pas tout. Alors moi j'avais fait des tests au niveau allergologue, je n'avais rien, mais je me rends compte que là l'humidité, et mon médecin traitant c'est ce qu'elle me disait, il y aurait bien un terrain au niveau de l'humidité. Et effectivement, vous m'avez parlé de mon appartement avec l'infiltration, donc il se peut aussi, et comme je vis dans une cuvette, façon de parler, l'humidité reste, et avec la chaleur s'évapore et tout, donc ça vient peut-être de ça. Et il faudrait que je déménage. Elle est en train de faire sa folle. Parce que je m'occupe pas d'elle, madame. Parce que là, elle ne m'a pas lâchée. Quand je vous dis pas lâchée, là, ça y est, elle est en train de faire le clown. Mimi, là, je suis en live. Alors, tu feras le clown après. Oui. On fait pas la folle. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est vrai que ça a été une expérience pas très cool. Le moral, il en a pris un coup. Et je me suis dit, tant mieux, j'avais pas Lisa. Parce que je voulais pas qu'elle me voie dans cet état-là. Et ça a été pas facile. J'ai fait peur à mes proches, hein, déjà moi, à Fred aussi, qui a été vraiment... c'est un amour, de toute façon, c'est mon Peter Pan, je le donne pas. Donc voilà, c'était quelque chose de bon. Là, je suis encore prise des bronches, mais bon, c'est plus la bronchite, vous savez, ça met un temps. Et il faut savoir que au niveau des poumons, et moi en plus je suis une ancienne fumeuse, donc voilà, donc je récupère ma capacité au niveau respiratoire, mais il y a donc les petites fibres qui sont au niveau des poumons, et quand il y a le mucus et tout ça, ça reste collé, donc pour arriver à faire partir tout ça, il faut plus d'un mois, et en général je mets bien un mois à m'en remettre, mais déjà je parle beaucoup mieux, même si quelquefois je suis un peu essoufflée, déjà j'ai tendance à parler vite, beaucoup, donc voilà. Mais rien à voir avec ce que j'ai vécu, j'espère que je vais vers l'avant, ça va être un mauvais souvenir. Donc, j'ai rendez-vous cardiologue début septembre, faut pas être pressé, et le pneumologue fin septembre, faut pas être pressé non plus. Donc voilà. Donc là, pour le moment, je ne prends plus rien à part de la spiruline. Là, les traitements, c'est bon, et du doliprane, quand je sens que, vous savez, à force de tousser, on a mal... à la tête, les côtes, ah bah, je vous explique pas les côtes, j'ai l'impression qu'on m'avait manché des coups de poing dans les côtes, c'était, voilà. Mais bon, après j'essaie de relativiser en me disant qu'il y a
vraiment pire que moi et que c'est un moment à passer. C'est sûr, c'est pas facile, c'est douloureux, mais bon, voilà. En tout cas, vous avez été toutes présentes et ça a été génial. On a même échangé en rigolant. Enfin, je rigolais, des fois, vous m'avez donné des cannes de tout. Mais bon, c'était pour le bon et c'est vraiment top. C'est vrai que là, on se dit, la santé, c'est vraiment le plus important et c'est tout ce qui fait, quoi. T'as pas la santé, mais en fait, tu peux vraiment rien faire. Alors, bah, tu vois, oui, effectivement, t'as pas de thunes, t'as un découvert, ou je sais pas, t'as un truc fin à côté. Ça te fait chier, gravement chier, mais tu te dis, mais là, la santé, sans la santé, tu fais que dalle, quoi. Vraiment que dalle. Donc, bah, c'est pareil, je voulais pas me mettre en arrêt de travail la première fois, j'aurais dû. Et en fait, là j'ai su, c'est surtout par rapport à la prime, parce que j'ai une prime au mois de février, ça décompte, ça défalque quand on en arrêt. Et bah, moi j'ai besoin, hein, comme je vous ai dit, étant maman seule, c'est vrai qu'on a besoin, même tous, hein, même quand on couple. Hein. Et du coup, je vais chez le coiffeur demain. Parce que je ne voulais pas respirer les produits, là, parce que je fais ma couleur. Là, vous n'allez peut-être pas voir, mais j'ai ça de racine. Ma mèche noire, elle est rendue là. J'ai plus rien. Ils sont hyper longs. Je mets une tonne de gel. Voilà. Au niveau make-up, je reste maquillée comme ça. Et ben, moi, j'aime bien. J'ai pas envie de me faire les yeux. Je combine, parce que vous me l'avez beaucoup demandé, le SLA en premier. Mais je vous le recommande, les filles, pour toutes les formes de cils, du court au plus long. Je vous ai fait un crash test. Si j'y pense, je vous le remettrai là. Sinon, allez voir dans ma playlist Crash Test des mascaras. Et ensuite, c'est Elena Wetterman, que je suis sur Facebook, qui adore ce mascara-là de chez Kiko. Et moi, tout seul, je l'aime pas. Je peux pas parce que c'est une brosse en synthétique, qui est grosse, qui est trop bizarre et tout. Mais alors, les deux combinés, mais mon Dieu, je vais vous faire un zoom, mon Dieu, les cils que ça fait, quoi. Donc, faut vraiment, regardez-moi ça. C'est un truc de malade, vous n'avez pas besoin de make-up. Donc, j'ai fait mon teint, simplement que mon teint, avec un petit peu léger de contouring. Et je voulais justement vous montrer mon blush du moment que je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup. Malheureusement, on ne le retrouve pas, peut-être sur d'autres sites, mais la marque ne le fait plus, c'est Femous. Et qu'est-ce que je regrette que ça n'existe plus, cette marque-là, parce que je vous jure, donc ça se présente comme ça, c'est un corail avec des paillettes, regardez-moi les paillettes. Et il est top, vous pouvez le doser léger ou accentué, il dure toute la journée. Franchement, ce blush-là, depuis que je l'ai, s'appelle Kera, pour celles qui le retrouvent au cas où sur un site. Il faut que j'essaye de voir si je le retrouve, parce qu'il y en a d'autres. Et il y avait même des highlights et des bronzers, il me semble bien. Mais ça, c'est de la bombe. Donc voilà mon maquillage avec un petit coup de highlighter là. Alors par contre, j'accentue les lèvres. Pas aujourd'hui. Parce que vous avez vu sur Snap, je me suis fait donc un gommage au miel et au sucre. Donc, vous avez pu voir comment je fais. Et j'ai mis l'huile minute confort. 4 minutes plus confort, ouais, de chez Clarins au miel, et ça, je vous le recommande, c'est une belle découverte. D'ailleurs, je pense, quand je vais reprendre mon rythme de vidéo, comme on arrive là, mi-l'année, de vous faire les découvertes depuis, bah, si vous faire une vidéo à la fin de l'année, je m'en souviendrai plus, mais de vous faire pour moi les découvertes, voilà, donc depuis janvier, dans ouais, janvier. Sinon, bah, il n'y a rien eu d'autre de spécial au niveau de ma semaine. Non. Je voulais, oui. Alors, bravo à l'équipe de France de foot. Je vais me faire chambrer. Non, en fait, vous le savez, je ne suis pas foot du tout. Je suis plus rugby, mais à fond. Et j'ai pas les mêmes valeurs, j'ai pas été élevée dans le foot. Mon chéri, il est à fond foot, il supporte Saint-Etienne. Et moi, c'est plus rugby. Et en fait, j'aime plus les valeurs du rugby que le foot. Et disons que je suis contente pour eux. Hein. C'est vrai que ça a donné un élan de générosité. Les Français se sont regroupés, rassemblés, pardon, ça a fait la fête et tout ça. Mais j'aime pas. Alors, déjà, j'aime pas le sport parce que je m'ennuie quand je regarde le foot. Et je trouve que quand il tombe, oh, c'est du chiquet, quoi. J'ai vu une vidéo où le mec, il lui fait ça, ah, l'arbitre, il siffle et tout. Enfin, vous voyez, je n'aime pas du tout. Et ce que j'aime pas, c'est pas comme au rugby.
au foot, par exemple, on dit ouais, ils ont perdu, c'est des moins rien, 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 comme tout ce qu'on a vu avec Raymond Domenech et tout ce qui s'était passé, vous vous souvenez. Et du coup, là maintenant qu'ils gagnent, en fait, c'est on a gagné, mais non, faut être juste jusqu'au bout, quoi. C'est ils ont gagné. Alors oui, t'es français, on a gagné, mais bon, moi au rugby, je supporte l'équipe de France qui perd ou qui gagne, non. Voilà, et en fait. C'est différent. Ça, c'est mes propres valeurs, c'est moi et on ne changera pas. Donc, j'en ai chambré plus d'une sur Facebook, mais bon, c'était gentil. Et du coup, bah, c'est vrai qu'on a bien rigolé. Après, chacun aime le sport qu'il aime. Hein, voilà, donc moi, j'avais commencé le volleyball et du coup, bah, j'ai arrêté. Mais c'est vrai que bah, j'aimais bien, je me retrouvais bien dans ce sport-là. Et du coup, maintenant, je suis une grosse feignasse au niveau du sport. Donc voilà. Moi après ce qui me dérange c'est tout ce qu'il y a autour, c'est la thune, mais dans le rugby aussi hein, maintenant. Hein, donc, mais moi ce que j'aime bien, voyez, franchement, hein, mais j'aurais aimé que l'Islande elle gagne. Mais j'aurais aimé ces monuments non. Historiques. Voilà. Moi je vous jure, j'avais les larmes aux yeux, la chair de poule, quand je les ai vus revenir chez eux. C'était mais un truc, mais c'est comme quand on voit les Blacks avec leur AK qui rentrent chez eux ou autre, ou quand il y a l'un d'eux qui décède et tout ça, deux comme John Alomou et tout. C'est ça que j'aime dans le sport, c'est pas se la péter, la thune et tout, tout ce qu'il y a autour. Malheureusement, ben, c'est ça maintenant, on va dire. Hein, donc voilà. Hein, mon petit Yeti. Sa voix va me tuer. Sinon. J'ai reçu cette semaine deux livres et je suis contente. Je ne les ai pas encore feuilletés, mais alors je suis vraiment contente de les avoir reçus. Je pense que je vais vous faire une vidéo. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je vous détaille vraiment, mais je pense que je vais vous faire quand même une vidéo dessus. Le premier livre, c'est le livre Le Petit Guide de la Beauté de Cynthia Dulude. C'est une youtubeuse, vous le savez hein, maintenant, que je suis depuis 4 ans, ça fera 5 ans bientôt, depuis les débuts de ma chaîne, qui n'a pas changé, qui est intègre, qui est elle-même, qui est généreuse, qui est... Voilà. J'aurais pu aller au Get Beauty, c'est elle que j'allais voir aussi, avec d'autres, mais elle en premier. Et... c'est quand même une maquilleuse professionnelle et du coup, je me suis dit, façon de parler, il me faut un souvenir d'elle. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime toutes ses vidéos, j'aime ses valeurs, j'aime tout ce qu'elle apporte. Et du coup, son livre, ça n'a pas été un livre par curiosité de ce qu'elle a fait. Vous voyez, quand je suis allée, je vous avais posté sur Facebook ou je ne sais plus où, j'avais été à Carrefour, j'avais vu le livre de Enjoy Phoenix. Enfin, il en faut pour tous les goûts. Hein. C'est pas pour moi à 40 ans. Et non, j'ai pas été déçue. Pourtant, Cynthia, elle est plus jeune que moi. Et franchement, ce livre s'adapte vraiment, même à mon âge. Alors, ça parlait de la cellulite, des peaux sèches, la peau sensible, les routines visage, la trousse de base. Et en plus, vous voyez, on a aussi des mannequins d'un certain âge, façon de parler, hein, pas 25 ans, quoi. Les fards à joues, le cache-cerne. Enfin, il a l'air vraiment d'être complet. Et pour celles qui débutent, il a l'air vraiment d'être top. Voilà. Donc là, je suis vraiment contente. Si j'y pense, je vous mets le lien sur Amazon, mais je l'ai pris sur Amazon. Et le deuxième livre qui me tenait vraiment à cœur, c'est le livre d'Elsa Makeup, Mes Secrets. Pourquoi ? C'est une youtubeuse, comme les autres youtubeuses, avec énormément d'abonnés, mais pour moi, elle a quelque chose comme Cynthia, c'est-à-dire que... à l'âge qu'elle a, elle sait ce que c'est la vie par rapport déjà rien qu'à son handicap. Ou pour elle, ça a été une force. Parce que j'ai feuilleté un peu, je n'ai pas tout vu. Mais je suis... il y a le train. Mais franchement, je suis... ça m'a émue quand j'ai ouvert son livre. Elle parle d'elle tout au début avec des photos d'elle depuis son jeune enfance ou qu'elle a son handicap. Et elle explique tout ça et du coup... C'est bien parce que pour elle, ça lui permet aussi de se livrer, mais en même temps de se vider, d'écrire sur papier, de ce qu'elle peut avoir par rapport à son histoire. Donc, elle en parle. Et ensuite, elle va nous donner
des petites choses elle. Alors je ne l'ai pas non plus étudiée, mais vous voyez, donc elle va nous parler de son histoire, elle va vous parler de son rituel, elle ne va pas dire comment faire, elle sait de ce qu'elle va faire, elle va donner quelques petites astuces. J'ai super bien aimé aussi, c'est qu'elle va nous partager des recettes que je vais faire d'ailleurs, donc pourquoi pas dans Gourmandise que je reviendrai avec ces recettes là. Donc j'aurai rien inventé, hein. Ça sera les recettes d'Elsa, mais ça sera bien évidemment précisé, parce que je ne prends pas les idées des autres, si je les prends je le dis. Oui, comme j'ai vu qu'il y avait le coffee time qui se mettait en place là. Voilà, et du coup elle nous montre aussi sa chambre, quoi. C'est son univers, c'est quand même à elle et tout, mais elle a décidé, elle en fait son métier et elle vit de ça, voilà, elle le dit, elle ne s'en cache pas, mais à côté de ça, elle est méritante, moi je trouve, de tout ce qui lui arrive et ses chapeaux. Donc je me suis dit, ouais, je vais acheter son livre déjà, rien que pour elle, et puis pour moi, ça me fait aussi, comme avec Cynthia, un souvenir. J'ai vu qu'il y en avait d'autres, des youtubeuses, je ne savais même pas qui avait écrit un livre. Alors Caroline Safia, non. Noémie Makeup Touche, je crois non plus. Enjoy Phoenix, non. Voilà, donc j'irai vraiment sur les youtubeuses où je ressens quelque chose. Voilà. Alors Elsa, je vais vous faire une vidéo parce que j'ai le kit Travel Pinceau qui était à 14€ sur Sponjac avec deux autres pour le teint et un rouge à lèvres mat. Donc je pense que je vous reparlerai, je vous ferai une vidéo sur Elsa. Donc voilà, hop, on passe ensuite. Cette semaine j'ai reçu un colis, c'est Elodie Beauty of Plume. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Ça fait depuis le début aussi qu'on se connaît. On a eu une petite perte de vue, rien du tout, c'est parce que chacune de son côté, puis voilà, les choses ont fait que. Et là, on a repris contact et du coup, c'est quelqu'un, de toute façon, elle le sait, avec qui je m'entends bien et que j'apprécie énormément. On a pas mal échangé. Et elle mettait en vente, en fait, une gamme de la marque Saint-Tropez. Saint-Tropez, avec le gant, et je me suis dit pourquoi pas, parce que j'en entends beaucoup parler, et est-ce que vraiment c'est bien. Donc au prix en plus, soit le vendez, ça valait vraiment le coup. Il y avait aussi une huile où j'ai pas encore testé, parce qu'il faut que j'aille me renseigner comment on l'utilise, cette huile là, parce que tout est écrit en anglais derrière, donc je vais me renseigner. Mais par contre j'ai pu utiliser ce produit là avec le gant. Mais c'est génial, là il est lavé, hein. Maintenant il est taché, et c'est génial, mais j'adore, j'avais peur, honnêtement j'avais peur, je me dis je vais me retrouver comment. Et j'ai vu une vidéo de ma petite Loulou Mose, qui passe par là, Loulou, qui en parlait, et je me suis dit, bah tiens, ça tombe bien, je l'ai. Donc je me suis exfoliée, gommée le corps la veille, et le lendemain, j'ai fait ça. Donc j'y suis allée avec vraiment parcimonie. Donc j'ai secoué, j'en ai mis un peu. Et le gant, il le faut, il est vraiment génial. Donc j'ai commencé du pied et j'ai remonté tout en faisant des cercles bien partout. Et à la fin, j'en ai même mis sur le visage, j'en ai pas rajouté dessus. Quand j'ai fini avec le cou, j'ai passé sur le visage comme ça. J'ai attendu une heure, je me suis rincée. Et c'est vraiment top. Vous voyez, je n'ai pas de démarcation, j'avais même fait en dessous le bras. C'est pas glamour, hein, mais bon, je vous montre, je n'ai aucune démarcation du tout, et ça fait alors j'ai une peau à la base qui est quand même claire, donc je ne laissais qu'une heure. Vous pouvez le laisser beaucoup plus longtemps, mais faites attention, 2 heures médium, 3 heures dark, ça fait pas beau, hein, parce qu'il a quand même un côté hâlé, mais je trouve qu'il a quand même un côté un petit peu orangé. Mais en tout cas pour moi, j'adore, c'est un produit que je vous recommande. Pareil, je vais aller voir où je peux le retrouver. Je crois qu'Elodie m'avait dit sur Asos et je sais plus sur quoi. Fil unique, je sais plus. Donc je vais aller voir parce que franchement, et il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Je l'ai fait, j'ai dû mettre une pichenette pour une jambe, 2, 3, 4, parce que j'ai fait un maximum 4. J'ai peut-être fait, allez, 5. Et c'est en mousse, hein. Voilà, et quand on se rince, après on se lave, impeccable, enfin non, j'aime bien, vraiment coup de cœur. Ensuite, je voudrais vous parler,
Je sais plus si je vous l'ai présenté, mais l'autre fois, je suis tombée sur la mousse micellaire nettoyante de Corinne de Farm. Elle nettoie, elle démaquille, elle purifie, c'est en plus à l'extrait de fleurs de bleuet, 97% d'origine naturelle, pour tout type peau, même sensible. Donc ça, je me suis dit top, il n'y a pas besoin, peau sèche, peau mixte, peau grasse, tout type de peau, c'est le top. Et là, je me suis dit, on va voir ce qu'elle a dans le ventre. Eh bien écoutez, je vous la conseille, vraiment, je l'ai trouvée à Leclerc, sans parabènes, hypoallergénique, et elle est vraiment bien, vraiment. Enfin, moi je l'utilise avec ma petite mousse ou la brosse, vous savez, de Plastimea, et elle est top, je vous la conseille. Vous n'avez pas besoin de mettre cher, et c'est une mousse que j'aime bien, et qui nettoie, qui désincruste au niveau du fond de teint et tout ça, vraiment impeccable. Quand je vous le dis que je débite. Par ce temps chaud, j'aime une odeur, deux odeurs, trois odeurs. La première odeur qui est le monoï, ça vous le savez. La deuxième odeur qui est la fleur d'oranger, ça vous le savez. Et la troisième odeur, c'est la fleur d'ostémentus, tous les ans que je rachète. Alors par contre, là je le prends petit, je le prends pas en gros. Et ça me convient parfaitement parce que je change tous les jours. Ça tourne autour de 30€ le gros, je crois. Là, je ne sais plus le petit. Mais ça, maman, avec figuier, qui est un peu plus sucré. Donc celui-ci, c'est mon préféré. Et vous pouvez l'emmener partout. Ça rafraîchit. Ça sent trop bon. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur ma chaîne. Et ça, je le kiffe vraiment. Surtout quand vous mettez des huiles. J'y viens. Des huiles pailletées ou des huiles neutres. Là, tous les jours, enfin tous les jours, pas tous les jours, là je vais vous mentir, mais quand je vais au boulot, comme ce matin, vu que je sors là, j'ai mis l'huile sèche scintillante de l'OVA. Cette huile-là, pour moi, c'est un must. Et je pense que dans la vidéo paillettes, je vais vous faire toutes les huiles ou les crèmes que j'ai pailletées. Que j'aime bien du moment, ça pourrait peut-être vous donner une idée. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais vous voyez, je l'ai déjà bien utilisé. C'est une huile sèche où on peut s'habiller directement, où les paillettes, elles se voient, elles restent sur notre corps. C'est un produit que j'aime beaucoup. Donc quand je mets des huiles comme ça, j'aime bien mettre des parfums un peu plus frais, parce que cette huile, elle a un petit peu une odeur justement de soleil, et ça va pas aller par exemple avec la vieille belle, la lienne et tout, donc c'est pas évident. Et là je suis en train de mettre aussi, c'est un cadeau d'une abonnée, l'huile prodigieuse d'Aurélie, qui me l'a offert, l'huile sèche, et franchement elle est top cette huile, vraiment top, topissime. Donc pareil, je la mets aussi le matin. Je ne l'ai pas essayée sur le visage et sur les cheveux, mais sur le corps, elle est vraiment géniale. Je l'aime beaucoup. Peut-être que là, vous verrez mieux. Voilà. Voilà. Alors, apparemment, oui, c'est pas apparemment sûr. Elle se fait aussi comme ça. Donc, peut-être qu'un jour, pourquoi pas, je la testerai. Mais là, elles sont vraiment trop bonnes. Merci beaucoup, Aurélie, parce que ça, c'est une super belle découverte. Et t'as un amour. Sinon, je voulais revenir sur deux produits où je vais vous déconseiller de les acheter. J'aime le parfum Evidence de chez Yves Rocher. C'est une odeur que j'adore. J'ai commandé, ça fait un petit temps maintenant, le gel douche et le lait de toilette. Je vous les déconseille. Alors, le gel douche ne reste pas. Il va sentir quand même l'odeur, mais il ne reste pas sur soi. Et c'est léger, ça ne tient pas. Et le lait parfumé, c'est une grosse daube. Désolée de dire ça, mais il a du mal à pénétrer, il colle, il pue. Il ne sent pas du tout Evidence. J'aime pas du tout. Alors autant le parfum, je le surkiffe, mais alors ça, je vous le déconseille. Maintenant, allez en magasin et testez-le, hein, sentez-le et tout. Hein, voilà, moi c'est que mon avis, mais bon, en général, je me trompe pas. Hein. Après, je voudrais revenir sur deux autres produits que vous m'avez demandé de vous reparler, et là, je les ai assez testés pour vous en parler. Allez à Action. J'adore, j'ai un haul qui va arriver bientôt. Vous allez retrouver des produits, il faut fouiller et regarder. Je cherchais, vous le savez, un spray pour mes cheveux pour les nourrir et les hydrater. Donc j'ai trouvé le Dove Nutritive, donc c'est un biphasé
qui va agir au niveau cellulaire pour les nourrir. Voilà. Et c'est une formule qui va être très légère. Et bien, ce produit, pour moi, il est top. Donc, vous le secouez aussi bien sur cheveux humides que secs. Et c'est là que j'ai vu la différence sur mes cheveux secs. Parce qu'il y a des fois où je ne mets pas de gel quand je reste à la maison et le lendemain, je ne veux pas les relaver. Il n'y a pas de gel, il n'y a rien. Donc, je veux les remettre en place. Je l'utilise et mes cheveux sont doux et brillants. Il est vraiment top. L'autre fois, j'ai regardé, bon, il n'y en avait plus malheureusement. Mais je vous le conseille. Voilà, donc ça va, ils mettent un lycée les cuticules, l'huile nourrissante, légère et franchement, c'est top. Voilà, ça c'est un bon produit pour moi. Et le deuxième produit où je suis vraiment surprise, c'est l'essence ultime de Schwarzkopf, vous savez, cette gamme-là. Et je me souviens, c'était ma Mistiquette, parce qu'on a toujours des avis opposés avec ma Misti. Et du coup, elle adore certains produits que moi j'aime pas. Et elle aime bien ces produits-là. Je me suis dit, je vais pas aimer. Et en fait, si. Donc en fait, celui-ci, on va déposer en fait quelques gouttes dans notre main. On va appliquer sur cheveux humides ou essorés, hein, pas secs. Hein. Donc en insistant sur les racines et sur les pointes, hein, c'est vraiment pour les cheveux qui sont abîmés. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Il faut simplement bien les malaxer. Mais je prends même un peigne et tout. Et. Je voulais vous dire quoi? Oui, et là je l'ai utilisé ce matin, vous pouvez voir, je n'ai rien mis, j'ai les cheveux brillants, ils sont vraiment trop bien, ça me répare mes cheveux, ils ne sont pas abîmés. Ça pour moi c'est aussi un bon coup de cœur. Hein. Ouais, j'aime beaucoup. Comme quoi, vous voyez, Action, il y a de belles découvertes. Hein. Faut faire attention. Et un des derniers produits que vous m'avez demandé. Aussi sur Snap parce que je voulais présenter, de vous le montrer, mais je vais vous en reparler bien évidemment dans d'autres vidéos. Voilà, c'est le sucre de noix de coco à Action qui se présente comme ça. Donc c'est du sucre de noix de coco que vous pouvez utiliser dans votre café, pour cuisiner, dans les blenders, dans les smoothies, vous voyez, dans tout. Et moi en fait je l'ai acheté parce que c'est Miss Blackline, je crois, qui en parlait, parce que je la suis énormément sur Snap. Et je vous conseille d'aller voir ses Snap ou Instagram. Elle donne plein de petites recettes. Et comme moi, je change mon alimentation, j'apporte des nouveautés, mais qui sont bonnes pour le corps. Elle parlait de ce sucre-là. Et il y a une youtubeuse. Hein. Je n'ai même pas envie de l'appeler youtubeuse, parce que pour moi, ce n'est pas une youtubeuse. C'est My Life Secret, je ne sais même pas son prénom d'ailleurs si elle le dit. Elle fait des recettes vegan, healthy, sans gluten, enfin plein de choses de son quotidien. Et elle fait aussi beaucoup de haul à Action. Elle achète beaucoup de choses à Action et elle les teste et elle nous dit. Et elle avait acheté ce sucre-là. Et cette chaîne-là, c'est comme la chaîne de Esmeralda. C'est deux chaînes que je ne me lasse pas, que j'apprends énormément de choses au niveau de la nourriture, à, ben voilà, à apprendre à rééquilibrer, à remanger sainement. Parce que dans mon alimentation, j'avais tendance à aller au plus vite, à aller au vite fait, comme tout, parce qu'on en a marre de faire à bouffer. Et on prend pas plaisir et tout. Et là en fait, non, j'essaye. Et Chris m'aide dans le sens où toutes ces petites assiettes, elles sont sympas et ça me donne des idées. Et là, depuis que j'ai commencé le secret du poids, où je vais vous faire ma vidéo, je vous le promets, j'ai perdu. Mais alors j'ai perdu, mais sans peiner. Et je ne fais pas de sport. Donc vivement que je me mette au sport, quand j'irai mieux. Et je mange plus sainement. C'est-à-dire que j'ai beaucoup plus introduit les légumes et les fruits. Alors en petite quantité, pas en masse, en volume bien évidemment. Mais voilà. Donc je vais par exemple le midi me faire une petite entrée aussi. Je vous dis une connerie, mais concombre avec betterave ou carotte avec ceci, cela. Après, je vais manger ma viande avec les féculents. Après, je vais manger un flan dessert ou un yaourt de soja parce que je prends plus de produits laitiers depuis l'année dernière. Et du coup, j'instaure pas mal de choses comme ça. Et là, dans ces deux chaînes, donc avec My Life Secret, oui, je crois que c'est ça. Si j'y pense, je vous mettrai en barre d'infos les deux chaînes que je suis et je vous conseille de suivre aussi Chris. Miss Blackline, et franchement ça nous apprend, c'est des petites choses,
Dans notre quotidien, voilà, ça change et on se sent mieux. C'est comme là, le lait de coco, j'en avais jamais bu parce que j'avais un après-avis où je me disais, ouais, ça me donnait mal au ventre et tout. Et non, pas du tout. En fait, c'est bourré de vitamines, nutriments, tout ça. Et j'en prends, là, je vois des fois un verre à 16 heures avec mon goûter et c'est vachement bon. Pareil, j'ai pris du lait d'amande grillé. Ça, c'est Miss Blackline qui me l'a conseillé. Et du coup, ça me permet de manger un peu de céréales. Donc, je prends 45 grammes, admettons, de céréales. Et il faut que je trouve les Weetabix. Parce que Chris, elle en est raide dingue, elle m'agace. Elle me saoule avec ses Weetabix. Elle mange que ça, elle se kiffe ça le matin. Donc, je veux manger ça le matin aussi. Il faut que je trouve des Weetabix, Chris. Sinon, tu vas m'en envoyer par la poste. Hein, je te paierai les frais de port, mais tu vas m'envoyer un colis de Weetabix. Donc, du coup, on en rigole, mais voilà. Et c'est vrai qu'en changeant, puis en diversifiant. Donc, Miss Blackline et les deux autres chaînes, donc Esmeralda et My Secret Life, My Life Secret, je sais plus, m'apportent des petites nouveautés. Donc, du coup, je pourrais aussi vous en parler sur ma chaîne. Ça ne sera pas moi qui aurai inventé, hein, je vous le dirai. Et je vous mettrai toujours les liens. Voilà, donc ça, en fait, donc c'est Chris et... My Life Secret, où je lui montre son prénom. Et en plus, elle a que 4000 abonnés. Et elle mériterait d'avoir plus parce que franchement, ses vidéos, elles sont super bien faites. Elle nous montre tous les aliments. Elle nous montre comment faire. Elle nous montre le après. Elle nous donne... C'est dingue. Enfin, dingue tout ce qu'elle peut faire. Là, il y a une recette que je veux faire d'elle. Elle fait son granola elle-même. Et du coup, voilà. Là, attendez, justement, je vais vous montrer. Donc, elle fait son granola elle-même. Et là, je voulais vous montrer, j'ai acheté ça chez Lidl. Ça se présente comme ça. Donc, c'est du muesli. Et vous voyez, donc, je mets mon lait d'avoine aussi dedans. Et du coup, je mange ça. Alors, je n'ai pas encore testé le matin. Je le mange plus à 4 heures. C'est peut-être pas bien par rapport à l'apport. Ça serait peut-être mieux le matin. Mais j'y vais progressivement dans le changement. Déjà, de 69,8 kg, je suis passée à 67,1 kg. Donc, je suis très contente. Parce que, comme vous avez pu voir sur Facebook, où je vous mets l'application du secret du poids, je ne me prive pas simplement. Je mange équilibré et je ne mange plus de cochonneries. Oui, ou sinon, c'est comptabilisé. Donc voilà, je suis très contente de ces petites découvertes et puis le fait un peu d'avoir été au repos, ça m'a permis avec tous les snaps de beaucoup de personnes et ça de me documenter et puis ainsi de suite. Et puis c'est chose tout simple. Alors effectivement, je me suis bien rendu compte que ça a un coût aussi par rapport aux fruits et aux légumes, parce que si tu manges des fruits le matin, le midi, le soir, enfin ça part vite. Moi là je vois les fruits, c'est limite toutes les semaines. Avant c'était pas tout le temps ça, moi ça me gavait grave quoi. Donc voilà, je sais que pareil, je voudrais faire des smoothies, donc je vais vous présenter dans mon haul action un petit blender. Et du coup, voilà, tout ça, c'est des changements. Donc, petit à petit, mais sûrement. Et il faut congeler certains fruits. Donc, justement, c'est la chaîne d'Esmeralda, je crois, où il faut que je retourne voir qui parle, qu'elle congèle beaucoup ses bananes et qu'elle congèle pas mal de fruits. Quand il y a des promos, elle achète des fruits surgelés et tout. Et c'est des choses que je ne pensais pas du tout parce que j'étais pas dans ça. J'avais pas du tout cette vision-là. Pour moi, allez, c'était caché pâte et puis une pomme au pire. C'était pas du tout... Ouais, c'était pas dans ça. Pourtant, je le sais hein, que c'est ça, mais bon, ça me gavait. Mais bon, comme Chris a dit, on n'a rien sans rien. Donc, manger, ça devrait être un plaisir et pas une corvée. C'est ce que j'essaye de faire. Et surtout, ce que je peux vous conseiller, c'est que n'attendez pas midi pour vous faire le manger ou le soir 19h. Préparez-le un peu à l'avance. Comme ça, quand vous arrivez à l'heure de manger, c'est prêt. Et vous avez faim et vous allez manger. Donc en général, moi maintenant j'essaye vers 11h quand je suis à la maison, parce qu'au boulot c'est tout prêt et du coup je rentre mes calories, tout ça. Vers 11h, je commence à préparer
mon repas pour le midi. Et comme ça, quand midi arrive, voilà, puis j'attends pas. Donc pareil, je prends plus de temps aussi à table pour manger. Et puis voilà. Alors je sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas pour le moment, je me sens bien dans ça. Et j'espère que ça va durer très longtemps. Donc si je peux vous apporter mon aide, et si ben, vous voulez faire en même temps que moi, il n'y a pas de souci. De toute façon, je vous ferai une vidéo, le secret du poids. Et en plus de ça, vous aurez, je pense, à la fin de cette vidéo, je vous le dis maintenant, mais un livre à gagner en concours. Oui, 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 tout à fait. Donc là, vous allez avoir des petits concours un peu partout. Donc il va y avoir le secret du poids, il va y avoir l'action avec Maria qui m'a envoyé aussi les produits pour vous. Donc j'ai cette vidéo là à faire, et bientôt aussi, grâce à vous, au site Plastiméa, vous savez qu'à chaque parrainage que je fais, quand les parrainages sont validés, j'ai 5 euros. Donc j'ai eu un certain montant, donc je le cache pas, et du coup je me suis recommandé des trucs pour moi pour tester, et vous, je vous ai commandé donc un cadeau. Il y aura une gagnante. N'en dites pas plus. Voilà. Bon, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je suis vraiment contente de vous retrouver. J'espère que mon nouveau concept va vous plaire. Alors, toute bonne critique, je le prends. Dites-moi. De toute façon, il faut que je m'améliore. Hein. Même moi, quand j'ai monté un peu la vidéo et des petites choses, voilà, ça va se faire. Si vous voulez voir des choses aussi dans ce nouveau concept, pourquoi pas. Voilà. Cette chaîne, c'est une chaîne d'échange, de partage, de bonne humeur et de smile and zen. Merci, smile and zen.